Salut internaute, je te retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo découverte qui va parler de stylo plume à piston, ou plutôt un stylo plume magnifique créé par Hypatia Création qui contient une cartouche spéciale qui est donc une cartouche à piston. Vous pouvez voir que j'ai reçu ma commande magnifiquement emballée dans de petits papiers estampillés Hypatia. J'ai même eu le droit à un petit bonbon et un petit sticker sans plus. J'ai été chouchoutée. Et évidemment, qui dit stylo plume dit encre. Et du coup, j'ai aussi acheté des encres colorées de la marque Herbin. Des encres spécifiquement prévues pour l'écriture. Mais j'ai lu qu'elles étaient aquarellables. Donc il y a moyen de faire des dingueries avec. Je me suis procuré deux gros flacons pour moi et trois petits dans les tons bleu-violet pour ma maman, parce que du coup sur la vidéo vous verrez il y a deux stylos plumes, en fait il y en a un pour moi et un que je voulais offrir à maman. J'ai voulu vous montrer les différentes teintes au soleil, mais ça n'a pas trop marché, mais je vous mettrai le lien si vous voulez retrouver la référence. Vous m'avez aussi demandé si les encres colorées du type Ecoline ou Colorex pourraient fonctionner dans ce type de stylo et de piston. Alors, mon avis, c'est, je suppose que oui, parce que c'est aussi des encres à base d'eau, donc pour l'aquarelle, aquarelle like. Mais faites attention à ne pas laisser sécher les encres, à bien refermer vos stylos, car me semble-t-il, ça pourrait vraiment encrasser la plume. Mais à vrai dire, je pense que c'est pas loin de la technique, enfin, des encres pour l'écriture, puisque ces encres-là sont aquarellables aussi. Voilà, c'est ma déduction. Après, le mieux c'est d'essayer. Peut-être en prenant une cartouche à piston dans un vieux stylo plume à vous, comme ça, vous n'avez pas trop de risque d'abîmer votre magnifique nouveau stylo plume. Et surtout, faites-moi un retour en commentaire, comme ça on pourra éviter des catastrophes si jamais c'était une idée de merde. Voilà. Alors, la technique du piston, comment ça marche? Eh bien, dans votre stylo plume classique, au lieu d'utiliser une cartouche d'encre standard, eh bien, vous pouvez acheter une cartouche à piston. Ça marche comme une seringue ou une pipette. Il suffit de tremper votre cartouche dans votre flacon et de venir aspirer l'encre en tournant votre piston. Alors, il existe aussi certaines cartouches où il faut juste tirer le piston. Ma cartouche, du coup, on doit visser, visser, dévisser. Mais voilà, j'ai vu qu'il existait aussi des systèmes où il y a juste à tirer. Et ensuite, c'est très simple. Il suffit de remettre la cartouche sur votre stylo plume. Et ben, ça marche après, comme une cartouche standard. Sauf que là, du coup, vous pouvez choisir n'importe quelle couleur que vous voulez parmi toutes les palettes disponibles sur Internet. Bon, en vrai, maintenant, on peut aussi trouver des cartouches jetables un peu multicolores. Ça a bien évolué depuis le temps où moi, j'étais sur les bancs de l'école. D'ailleurs, à savoir, si vous voulez recharger vos propres cartouches d'encre, vous pouvez aussi tester avec une seringue. Ça nécessite un petit peu d'habileté, mais en vrai, ça peut être aussi une manière de remplir vos cartouches avec des flacons d'encre. Et là, je vous montre une cartouche à piston, mais en vrai, il existe aussi des stylos plumes entiers à piston. Et là, vous n'avez même pas besoin de sortir la cartouche d'encre. En fait, vous allez venir tremper la plume de votre stylo dans l'encre, et au bout du stylo, vous allez juste tourner, et ça va marcher comme la cartouche à piston, sauf que là, c'est le stylo entier qui est un piston. Et une fois que vous avez rempli votre stylo, eh bien, il n'y a plus rien à faire. Il est prêt à l'emploi. Alors que dans notre cas, il faut revisser le stylo. Mais pour ma part, j'aime plutôt bien l'histoire de la cartouche à piston, puisque logiquement, vous pouvez l'utiliser sur n'importe quel stylo plume que vous avez à la maison. Il suffit juste d'acheter la cartouche et un pot d'encre, et du coup, vous pouvez le recharger quasiment indéfiniment. C'est trop bien. Et enfin, petit retour sur ces magnifiques stylos qui ont été créés en biorésine par Hypatia. Ils ont été faits sur mesure par Margot. Merci beaucoup. Ils sont trop beaux. Maman, elle a adoré. Et en plus, ce qui est rigolo, c'est que du coup, je peux intervertir les bouchons.
Je trouvais ça rigolo, tout plein, ça rend bien en plus. Voilà, si vous commandez plusieurs stylos chez Margot, vous pouvez vous amuser après à intervertir les bouchons. Bref, testé, approuvé, ça marche nickel. Et j'ai grand plaisir à voir étincelé mon nouveau stylo plume de paillettes et de feuilles d'or au soleil. C'est magnifique. Ça donne pas envie d'écrire, ça ? Hein ? Comme d'habitude, vous trouverez un petit article récapitulatif avec des photos et des explications supplémentaires sur mon site Bujoli. J'espère que vous avez aimé ce concept tellement sous-coté et que peut-être vous l'adopterez.